Adepte de chansons loufoques comme il l'a prouvé avec ses titres Quand il pète il trouve son slip ou son album J'emmerde les bobos. 2013, Cartman est tombé sous le charme d'une ancienne élève de la Star Academy dans les années 2000. Candidate de la quatrième saison de l'émission de télé Crochet et amie du regretté Grégory Lemarchal, Karima Charny avait envoûté l'humoriste lorsqu'elle s'était mise à travailler sur le petit écran à partir de 2007 sur M6. Dans les couloirs de la chaîne, la chanteuse qui devenait alors présentatrice avait tout de suite accroché avec Cartman qui avait rapidement souhaité la prendre sous son aile. Nicolas Bonaventure Ciatoni, de son vrai nom, et Karima Charny ont même créé quelques années plus tard leur propre société de production avec Miko baptisée Smoker Productions. En 2010, ils avaient officialisé leur relation amoureuse lors de l'avant-première du film Arthur, La guerre des deux mondes de Luc Besson. Elle est comme ma sœur. 3 ans plus tard, le couple a finalement souhaité se séparer comme l'avait annoncé l'humoriste dans le magazine Public. Elle est comme ma sœur. Si est-il quelqu'un dont je suis proche depuis longtemps. Je suis heureux dans ma vie perso, mais ce n'est pas avec elle, avait-il confié avec beaucoup d'affection et de tendresse. S'il ne précisait pas les raisons de leur séparation, Cartman avait en revanche confirmé être resté en très bons termes avec son ex.